dark side. I wanna be your left hand man. Allô tout le monde! Bon matin! Ben, bon après-midi. Je suis chez... Chez qui je suis? Pensez deux secondes. Marie-Hélène! Tu les as pas laissé réfléchir longtemps? Non, hein? Ok, on s'est fait faire les cils ici. Oui, Jayden, il veut parler. C'est toi. Oh, t'en as beaucoup à dire. Aujourd'hui, Jayden a rencontré. Aujourd'hui, Jayden a rencontré Charlot. Est-ce que Charlot, il a beaucoup partagé les jouets avec Jayden? Ah oui. Donc, c'est ça, je me suis fait faire les cils aujourd'hui ici par la même fille qui me fait les cils d'habitude, Laurie, mais elle est venue ici, chez Marie-Hélène, faire les cils. Là, je suis pas habituée, on dirait que c'est plus long que d'habitude. Ouais, mais il m'en restait pas beaucoup non plus. Jayden veut vous parler. Bon tout le monde, on est de retour à la maison. J'étais tellement fâchée ce matin d'avoir oublié la batterie de ma caméra pluguée dans le mur. Fait que tantôt j'ai utilisé la batterie à Marie quand on était chez elle. T'es belle? Fait que c'est ça. Là, on avait un gros plan pour la journée, là, je vous expliquerai plus tard. C'est ça, on avait en fait un gros plan de faire le ménage complet du sous-sol et du garage. Et je vous montrerai le bordel. Mais on va le faire demain parce qu'il est tard, il est genre 5h. Puis on vient d'arriver, on a été au Costco, puis au Canadian Tire, puis ça, ça a pris du temps. Mais on est parti chez Marie vers 2h15, je pense. Comme vous avez vu, j'ai fait mes cils, puis j'ai un bouton ici. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté. En fait, c'est que fallait chercher mes agrandissements photos. Là, ils sont sur la table. C'est pour en haut de mon lit, les cadres. On va installer ça tantôt. J'ai vraiment hâte. Tout ce qu'on a acheté est en rabais. Alors, on a économisé 12$ juste dans ce qu'on a acheté, puis genre 6 choses. Alors, on a acheté du provolone. C'est 3 points par tranche, comme les autres fromages en tranche, là. Mais ça change, ça fait toute la différence dans un sandwich, là. C'est genre ça qui a le plus de points dans le sandwich, mais je prends pas de produits laitiers, de toute façon, pour des yogourts, fait que c'est ça. On a acheté ça, puis il fallait racheter de la viande froide parce que il était... Ah, j'ai pas regardé. Ah, il était extra maigre. Sûrement que c'est pas mal comme l'autre, là. Mais il nous en restait plus beaucoup des viandes froides, fait que c'est le Chef Georges jambon cuit, extra maigre, pour les sandwichs. Ah, j'ai tellement ça touché à des fruits, là, parce que j'imagine toujours, genre, les fruits avec des araignées dedans, là. Genre des vêtements, noirs. Fait que, on a acheté des raisins. Les raisins étaient en spécial, et il y avait comme 2,90 de rabais, je pense, les raisins rouges. Et les murs, ils étaient genre 2 et quelque chose. Mais c'est des gros pots, trucs de murs, tu sais, du Costco. C'est genre le double que des petits au IGA quasiment, là. Fait qu'on a pris 2. Je serais moins pour les murs, mais c'est vraiment pas cher, là. Fait qu'on a acheté ça, puis... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te montre, Jayden? Tu voulais parler? L'enfant, ce qu'il dit, c'est sauvez-moi, mes parents, c'est des fous. Sauvez-moi, mes parents, c'est des fous. Bon. Vas-y. On a acheté des sacs Ziploc de congélation grands, mais ils sont pas là, Anthony. Ils sont dans l'entrée. Ils sont dans l'entrée. Ouais, des petits. Des moyens. Puis, comme collation, j'ai acheté des barres croquantes spécial cas parce que ma mère, j'en avais pris chez elle. C'est 4 points pour 2 barres. C'est 100 calories. Ça donne 4 points pour 2 barres, mais ça rassasie vraiment mon envie de sucré. Fait que fraise, chocolat, puis biscuits et crème. Alors voilà, c'est tout ce qu'on a acheté au Costco, puis on a économisé 12$ dans les choses du Costco. Comme ça, je pense que c'était 2 quelque chose de rabais. On a été au Home Sense parce qu'il me restait de l'argent dans ma carte cadeau. Puis vous allez voir, on a fait un changement dans notre chambre. En fait, on a mis les meubles à carré là, qu'on voyait dans mon background qui était dans ma
salle de maquillage, on l'a mis dans la chambre parce que, ben, premièrement, j'aimais ça filmer devant ça, mais dans ma chambre, j'ai un plus bel éclairage, fait que je vais pouvoir faire mes vidéos devant ça aussi dans ma chambre. Puis parce que la télé va être dessus, donc comme on a un lit qui est haut, qu'on va écouter la télé, qu'on va être couché dans le lit, là, la télé qu'on a achetée, ça va être parfait. Alors j'ai... Ça me tente pas d'exposer mes vernis et tout ça, là, je trouve que ça fait comme trop, là, pour ma chambre, j'aime ça quand c'est plus blanc, épuré et tout, là, fait que je voulais acheter des petites décos parce que là, ça va être vide si je fais juste enlever les vernis. Bref, fait que j'ai acheté des décos, mais j'ai acheté ça aussi, regardez, ils sont trop cute, c'est des moules à cupcake, ben, muffins. Il y en a avec des cœurs, des roses blancs, des or, puis des roses et rouges, ça fait comme Saint-Valentin, là, puis ça, c'était 3,99, c'était comme quand on va vers la caisse. Puis, j'ai acheté juste une petite déco comme ça. Au lieu de 7$, il était en liquidation à 3$. On peut mettre même quelque chose dedans, genre un succulent ou quelque chose. Là. Je trouvais c'est épuré. c'est ce que je cherche. Puis, il y avait des bouquets déjà tout faits. Je sais que ça revient plus cher de les acheter. Tout fait, mais je trouvais vraiment beau les couleurs. Fait que ça a l'air de ça, fait qu'il y a comme de la fausse eau, là, c'est pas. Il y a comme de la fausse eau, c'est pas de la vraie eau, pis c'est des pivoines, ça, ouais. Je pense bien, là. Ça ressemble à ce que j'avais dans mon bouquet de mariage. Mais, tu sais, c'est un rose pâle. C'est ça, j'hésitais pour prendre un blanc. Blanc beige, mais. J'étais vraiment attirée vers cette couleur-là, puis je trouvais que ça restait quand même neutre. Alors, je vous montrerai ça tantôt. Là, je vais faire des petits changements dedans mon meuble. J'ai hâte de voir ça. Ça va être beau. Je capote sur nos photos. Fait que voilà ceux que j'ai choisis. Elle, oh, on voit le reflet de la lumière, là, mais celle-là devant la grange. Celle-là sur le pont. Celle-là ici. Mais tu sais, il fallait tout que je recorde pour que ça fasse un carré, là. Parce que les vraies photos sont plus longues, là, comme vous comprenez. Ça, c'était mon photoshoot de grossesse. T'sais, même, tu sais, c'est mon ami là, qui les a pris. Puis je trouve la qualité vraiment super belle aussi. Là. Parce que ça, on s'entend, c'est genre super, super professionnel. Là. Mais tu sais, je trouve ça vraiment beau. Là. J'aime beaucoup celle-là. Il y a elle. C'est une en noir et blanc, mais on dirait que les tons sont différents des autres. Je sais pas si c'est moi. C'est peut-être mon chandail qui était comme Bourgogne. Oups! Ça focus plus. Ouais, mais cette photo-là, comme elle est plus grosse d'habitude, mais je voulais la mettre. Et celle-là, c'est genre le moment. Tu sais, c'est pas une photo comme ça, là, on s'entend. Tu sais, ça, c'est stagé, là, vous comprenez? Ça, c'est genre le moment présent. Bon, tout le monde, je capote. Regardez ça, là. Mettons, quand vous entrez dans ma chambre, et que vous avez le miroir qui est là. Oui, il faut que j'enlève mes décos de Noël, puis que je mette ça à jour, là. Mais sur le mur, si vous avez ça comme ça, j'ai mon mur que j'aime tant. Fait qu'avec mes petites lumières, là, j'en ai deux de brûlées qu'il faut que je change. Fait que j'ai ouvert la lumière juste pour vous montrer. Mais j'ai mis 6 cordes. Fait que j'ai mis au centre ceux de ma grossesse, comme vous pouvez voir. Là, on voit le reflet de ma lampe. Puis les autres de mariage. J'ai pas mis de photo nécessairement de Jaden en haut de notre lit, parce que, ben, il y en a partout dans ma dans maison, puis je me dis, comme, là, c'est vraiment comme notre chambre, fait que j'ai mis des photos de nous. Je trouve que c'est comme la place pour avoir des photos de nous, là, la chambre. Fait que c'est ça. Alors, les changements que j'ai fait dans ma chambre, donc, c'est comme c'était. Là, hey, regardez, genre, c'est fou, hein, parce que c'est un lit king, hein, en passant. Ils sont énormes, là, ces cadres. Fait qu'ils viennent d'IKEA, en passant. Avec ma chaise qui était là. Je l'ai mis ici. Puis, oui, ça traîne à terre, désolée. Fait que, je l'ai mis ici, là, avec ma petite jetée que ma soeur me donnait. Parce que ce meuble est rendu là. Là, Jaden y a joué dedans. Fait que les cadres, les cubes sont comme renfoncés. Mais là, c'est ça. Ce meuble est rendu là. Puis il va avoir, genre, la télé. Fait que, si je veux être couchée ou assis, je peux l'être en regardant la télé. Je me suis dit c'est plus pratique. Puis, si vous voyez, si je l'embarque sur le lit, là, le meuble, il est comme
Parce que, je sais pas si vous comprenez comment le mur est fait, mais c'est en angle, fait qu'il est pas centré au milieu du mur ici, mais il est centré avec le lit. Fait que, il est plus centré avec le lit. Mais en fait, même pour être plus centré avec le lit, il faudrait que ce soit par là. Fait que, je voulais comme pas le mettre au centre, là, sur le mur, comme ça. Puis, dans le fond, ça, c'était comme les genres de tables de chevet que je m'étais faites. Comme Anthony s'en servait pas, donc, tu sais, juste une d'un côté du lit que j'ai laissé là, c'est correct. Alors, elle, je l'ai mis ici. Et ça, je l'avais mis, en fait, c'est parce que je le mets comme, si supposons, je vais à l'ordi quand je suis assise ici, là, sur ma chaise, ben je le mets devant moi, puis c'est vraiment pratique. Alors, c'est pour ça qu'il y a juste des petits trucs qui traînent. Puis, là, c'est ça, comme je vous dis. Oups, mes petites lumières viennent de tomber, parce qu'il faut que je vais les remettre. Il faut que je les accroche. Bon. Mais là, c'est ça, là, ça va pas là, ça, là. J'ai juste, comme tout ici, j'ai pas fait le ménage là-dedans, rien, mais comme vous voyez, ça fit pas, là, avec ma chambre. Tu sais, je veux vraiment quelque chose de plus épuré, là. Fait que, tu sais, ça, je vais enlever ça, ça, je vais enlever ça. Toutes les vernis, je vais les enlever. Fait que je vais mettre, tu sais, des petites décos plus, tu sais, simples. Comme vous comprenez, là, mais je vais faire ça. Je vais commencer peut-être tantôt. Puis, en fait, dans ma pièce maquillage, je vais vous emmener dans ma pièce maquillage. C'est le bordel parce que j'avais plein de choses sur le meuble. Puis là, ils sont à terre. J'ai un énorme bouton. Fait que dans la pièce, je vais tout changer. Genre, tout changer comment les choses vont être placées. Comme. Ok, c'est vraiment le bordel, là. Ok, écoutez. Mais bon. Fait que là, maintenant, tu sais, c'était ici. Mais là, ça, ça sera plus comme ça. Je vais mettre ça comme, vous allez voir, en coin. Puis, ce que je vais faire, je vais sûrement avancer ça, mettre mes spots de lumière, déjà toujours installés parce qu'ils sont rangés là-dedans. Bref, ça va être vraiment plus installé pour des tutoriels maquillage, mettons. Ouais, ça va être plus fonctionnel. Regardez la pizza maison pour souper avec la pâte et tout, maison. Elle est au jambon, poivron, sésame. Oignon. C'est ça, Anthony, hein? Miam! Oh my god! Bon, fait que c'est ça que ça a l'air pour l'instant. Fait que ça, c'est la petite déco que j'avais achetée tantôt. Ça aussi, je trouve bien belle. Puis, j'ai mis ce cadre-là qui était dans ma salle de bain. Si j'ai un petit truc pour déposer des choses dedans. J'ai enlevé tous les parfums aussi qui étaient là, parce que je trouvais que ça faisait vraiment trop. Puis j'ai mis juste, premièrement, c'est mes préférés, c'est capable. Puis ça fit dans les tons, là, tu sais, c'est pas des grosses bouteilles foncées et tout, là, fait que c'est pour ça que j'ai mis là. Ouais, fait que j'ai mis ça, puis une chandelle, simplement. Fait que j'ai juste ça. Puis je lui ai dit sur Instagram qu'est-ce que je pourrais mettre genre dans ça. Je pense que je veux vraiment faire ça pas too much. Hein. Fait que c'est ça. Comme là, ça c'est assez genre. Mais même, faudrait pas qu'il y ait quelque chose partout. Il y en a qui m'ont dit des livres. Fait que je peux pas mettre des livres comme ça. Je mettrais plus. Tu sais, peut-être un parti par là à l'horizontale. Je sais pas. Je vais regarder, mais je veux pas que ça fasse trop, là. Ouais. Fait que c'est ça. Excusez, là, j'ai tout essuyé mon petit chanteau. J'avais mal aux yeux parce qu'il y avait des oignons dans le pizza, puis ça brûlait. Là, j'ai un gros bouton. Fait que, ouais, c'est ça. Mon lit était fait. Je suis vraiment fatiguée. Puis, je vous ai pas bloqué les trois derniers jours, je pense. En tout cas. Mais il y a deux jours, j'ai manqué d'électricité à la maison. On a manqué d'électricité le soir, comme vers 5h, jusqu'au lendemain. Fait que ça, c'était mercredi. Ouais, mercredi. Fait que j'ai été dormir chez ma mère parce que, tu sais, ça serait juste moi puis Anthony, c'est correct, mais c'était moi, Anthony et Jaden, tu sais, on s'entend. Fait que c'est comme, faut pas qu'il aille froid, là. En tout cas, tu sais, c'est. Puis, tu sais, dans le noir avec un bébé, c'est peut-être moins évident. Fait qu'on a été dormir avec Muffin aussi chez ma mère. Puis le lendemain, quand ils sont venus, parce que moi je travaillais, donc ils m'ont déposé au travail. Puis on voit les reflets de ma repousse.
Vous voyez? C'est genre plus pâle. Oh non! En tout cas, j'avais pas remarqué. Quand ils sont revenus, il n'y avait pas d'électricité encore. Fait qu'on en a eu hier, genre, en après-midi, là, je pense. Je sais pas trop à quelle heure parce que je travaillais. Mais c'est ça. Fait que. Ouais, c'était vraiment plate, là. Vous, est-ce que vous avez manqué d'électricité? En tout cas, c'est la première fois de ma vie, je pense que. Non. À part, genre, quand j'étais petite, puis il y avait eu, genre, la crise du verglas, là. Si vous vous rappelez. Mais c'est la première fois que je manquais d'électricité pendant, comme, tu sais, toute la nuit au complet, là. Ça m'était jamais arrivé. Fait que c'est ça. Je vous dis bonne nuit. Et moi, je m'en vais écouter des vidéos. Je fais le ménage en bas. Puis on avait les plans de ménage du sol, mais comme on est arrivé tard, on va faire ça demain. Fait que on se revoit demain tout le monde. Bye bye! Tout le monde, regardez ce que j'ai rajouté. Je trouvais que c'est une bonne idée. Ouais. Vous m'avez suggéré genre des revues, des livres et tout ça. Fait que je me suis dit pourquoi pas mettre les revues de 3 fois par jour, parce que de 1, je les adore, et de 2, c'est blanc, simple et épuré. Alors, ça fait vraiment pas encombré. J'aime vraiment ça, pour vrai, là. Ouais, c'est simple, là. J'ai même pas besoin d'acheter rien, puis je trouve que ça fait beau. Fait que, en tout cas, moi, je trouve que ça fait beau. J'aime bien ça. Fait que c'est ça, bonne nuit tout le monde! Là, j'écoutais la vidéo de Maman Heureuse. Fait que vous pouvez aller voir sa chaîne, là. Je mettrai son lien dans la barre d'informations, mais elle fait beaucoup de vlogs. Fait que moi, j'aime ça écouter les mamans qui font des vlogs. Puis, je voulais vous dire, l'éclairage est bizarre. Bon, pourquoi? Ok. Fait que je vais vous dire, il y a quelqu'un qui m'a proposé que je pourrais mettre des comme des paniers en osier. Là. Mais tu sais, ça fait très... Tu sais, vous comprenez, là, les tons, on va dire. En tout cas, ça fitrait quand même, là. Fait que, parce que ça fitrait. Et ça fait du rangement en même temps. Fait que moi, ce que je pense, là, c'est que ici, puis ici, je vais en acheter et en vendre au Ikea. Comme, parce que tout ça vient du Ikea, là. Fait que là, puis là, il y en aurait. Parce que ça va me faire du rangement en même temps. Fait que je pourrais mettre, mettons, mes maillots de bain là-dedans. Au lieu de mettre ça en dessous du lit, là. J'ai des tiroirs, mais... En tout cas, vous comprenez. Puis je pense que je vais acheter juste un petit... comment on appelle ça? Un terrarium? Quelque chose du genre, là. Vous comprenez? Tu sais, c'est or. Ouais, j'en ai vu au Home Sense. Fait que je n'achèterai un petit pour aller genre là. Ouais, puis ça va être parfait après. Fait que c'est ça. Bonne nuit encore pour la 3e fois.